Et le thème, c'est les chats et la souris. Les chats et la souris. Alors, il y a trois chats, mesdames, trois. Mais il y en a un qui est tout en haut, à gauche de votre feuille. Il faut qu'il soit là. Donc, c'est un chat. Celui-ci, il a des points. Il n'a pas de rayures, il a des points sur le corps, pas sur le ventre, sur les pattes, sur la queue, sur le dos, on va dire. Et il a donc il a 6 moustaches, il tire la langue. On voit sa langue, donc, voilà. Alors, derrière lui, vous allez pouvoir commencer une ligne, en fait, où il y aura un trou de souris. Ce trou de souris sera noir et on verra deux petits yeux blancs. En dessous de cette ligne, du côté droit de votre feuille, plutôt vers milieu, il y a un deuxième chat. Le deuxième chat tire aussi la langue. Il a aussi 6 moustaches. D'accord ? Il continue de regarder. Par contre, lui, il a des rayures, mais plutôt larges. Plutôt des triangles, si vous voulez. Ouais, je sais pas comment vous expliquer là. C'est triangulaire, on va dire. Et il a des petits points sur le bidou. Voilà. Et le troisième chat est en dessous le premier. On voit aussi ses 4 pattes. Je vous l'ai dit. Donc lui, il a des rayures par contre. C'est des vraies rayures avec des petits points sur le bidou. Il a toujours 6 moustaches. Il ne tire pas la langue. Il n'a pas de langue. Il a 6 moustaches, je vous l'ai dit. Et c'est fini. On n'a même pas parlé de la souris. Ça va bien se passer. Voici les 10 critères. Alors, le premier critère, il faut que au moins un des chats tire la langue. Alors, deuxième critère, on voit les deux oreilles de la souris. Et le dixième critère, un des chats a au moins 6 taches sur le corps. Oui, oh, oui, oui. Voilà. Le thème, c'est la femme au cochon et la fille aux fleurs. Donc, il y a deux femmes sur le dessin. Une à gauche, c'est le cochon. Une à droite, c'est pour les fleurs. Donc, la première à gauche, c'est les cochons. Elle a une grande... Elle a les cheveux dans le vent. Elle est blonde. Ses cheveux, ils vont à ma... Quand je la regarde, ils vont à gauche. Voilà. Donc, elle a un cochon dans les bras et elle tient un cochon en laisse, sachant que la laisse tourne tout autour du cochon. Ses pieds sont dirigés vers, comme ses cheveux. Voilà. Couche. Et elle a une grande robe blanche avec des fleurs dessus. La deuxième, elle a comme deux couettes. Elle a un tout petit visage allongé. Je vais plus mourir. Elle a une robe qui s'arrête aux cuisses. Elle a un vase dans les mains avec trois fleurs qui sortent. Et une autre tige qui sort. Mais elle a un vase dans les mains. Elle a un vase dans les mains. Oh mon Dieu. Trois fleurs qui sortent et une autre tige qui sort avec une tasse qui... C'est terrible. Son vase, il est dans sa main. Ouais. Trop tard, hein, parce que là... Ouais, bah, ouh. La main gauche. Enfin, gauche quand je la regarde, donc droite si c'est elle. Ok, ça va bien se passer. Elle a des chaussettes noires à rayures blanches qui montent jusqu'au-dessus du genou. Oh là là. Ses pieds sont écartés en dehors. Elle a bu. Elle a des manches longues avec des ronds dessus. C'est fini. Oh là là, mais elle a même pas de cheveux celle-là. Elle a rien, pas de visage. De l'amour dans l'air. Alors, c'est un gros crocodile qui est allongé au sol avec la queue qui remonte un petit peu. Son corps est tourné vers la gauche du papier
sa tête est tournée sur la gauche. Il a un sourire, il a des grandes dents pointues, dont une qui est un petit peu plus pointue que les autres et qui est un petit peu plus grosse que les autres. Il tient une fleur dans une de ses pattes, dans sa patte droite, et avec l'autre patte, il se tient le menton. L'autre patte de devant, il se tient le menton comme les amoureux quand ils sont perdus dans leurs pensées. Il y a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 cœurs au-dessus de lui, dont un qui est très gros. Et il y a un petit point dans chaque cœur en haut à droite. À gauche. Ok, ils sont à gauche. Okay. Voilà, on voit une de ses pattes arrière qui est sous son corps, qui est allongée. Il y a des petites épines tout au long de son dos jusqu'au bout de sa queue. Donc il a les deux yeux grands ouverts. Il a deux yeux grands ouverts, okay. Et il a 5 cheveux sur le crâne. Il a donc une fleur avec une seule tige et 3 pétales, avec un cœur et 6 pétales, pardon, avec un cœur noir. Au secours, c'est horrible. Et il y a des gros points noirs sur son corps. C'est fini.